Ils ont peur. Pendant les festivités de la bataille de Jomampan, les emmener donc à l'île de la Passe. Pourquoi l'île de la Passe? Il y a plein de fortifications, il y a plein de choses qui sont... Mais il y a eu beaucoup de confusion un petit peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que ici c'était plus la prison que la poudrière en fait. Ça ressemblait plus à une prison quoi. C'est quand vous allez voir quand on va faire tout le tour, il y a beaucoup d'inscriptions avec des noms anglais. Alors que vu que c'était les Français qui étaient sur l'île, on pense que qu'il y a eu... C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de sous-entendus sur cet endroit-là. Mais là, tu peux regarder, il y a beaucoup de noms qui apparaissent, quoi. Voilà, tu vois bien. Puis même la forme des lettres que tu vois, ça correspond bien aux écritures anciennes. Ah, il y a le Fèvre. Ouais, après t'as comme Well. Là, après tu vas voir là-bas, t'as Télo.
vois bien les lettres. Il y a pas son nom, c'est gravé. Tu vois bien que ça date de longtemps. Après les numéros, on sait aussi les numéros qui à côté d'elle, c'était leur matrice. C'est vrai qu'à cette époque-là, 1853, les Français étaient plus sur l'île. Bon. C'était plus les Anglais. De choses qui sont restées quand même. Ouais. Ça a été préservé. Ça va, t'as de la chance aujourd'hui, c'est propre. Il y a un endroit où ils stockaient leurs munitions et là, il y a beaucoup de. Ce sont les soldats ? Ouais. Après, bon, il y en a qu'on va jouer ces derniers. Une petite boutique à l'époque. Tu peux voir que c'est la façon pour faire traîner les canaux. Il y en a une stockée ici. Ok, bâtiment d'époque. Ouais, mais après ça a été quand même bétonné, tout ça, renforcé après au niveau de la première et seconde guerre mondiale. Là, ça, c'est, ça a été fait, ça a été rajouté à l'époque. Après ça date là, tout est qui.